2014, la libération de 10 officiers supérieurs de la police ivoirienne. Ils avaient été incarcérés pour atteinte à la sûreté de l'État, violation des consignes et rébellion. Ces policiers ont été libérés hier par le tribunal d'Abidjan pour délit non constitué. Il constitue encore aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde, bien avant les guerres et autres catastrophes naturelles. Le cancer fait beaucoup moins parler de lui, mais il tue. Dans cette édition, le témoignage d'un malade du cancer. Le collectif des syndicats des emplois du secteur éducation, formation salue l'État ivoirien pour le paiement des 25% restants des effets financiers du réclassement des enseignants. Le porte-parole du collectif regroupant 6 organisations était face à la presse. Et puis en France, le premier procès jamais organisé dans le pays d'un ressortissant rwandais, 20 ans après le génocide des Tutsis. Pascal Simbikangwa, ancien militaire de 54 ans, accusé de complicité présumée, a comparu ce mardi devant la cour d'assises de Paris. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, cette libération qui fait la une de l'actualité judiciaire, l'acquittement de ces 10 officiers supérieurs de la police ivoirienne. Ils avaient été incarcérés pour atteinte à la sûreté de l'État, violation de consignes et rébellion. Ces policiers ont été libérés hier par le tribunal d'Abidjan pour délit non constitué. Au nombre des bénéficiaires de cet élargissement, César Néglé, l'ex-directeur de la DST, la Direction de la Sécurité Territoriale, à Boussanogo. À l'issue de la deuxième audience comptant pour ce procès qui s'est déroulé en 2 audiences, un contrôleur général de police, 7 commissaires principaux de police, 2 capitaines-majors de police et un sergent de police qui comparaissaient devant le tribunal militaire d'Abidjan pour des faits de violation de consignes et d'atteinte à la sûreté de l'État ont été acquittés pour délits non constitués. Ainsi, après être chacun passé à la barre avec des témoignages à l'appui, ce fut la réquisition du parquet militaire suivie de la plaidoirie des avocats de la défense. Pour le colonel Kakou Banti, avocat de la défense, la justice a dit le droit. C'est la preuve qu'un militaire, un policier qui se comporte conformément aux règles pourra toujours trouver l'État à côté de lui. Et ici, ce tribunal vient de démontrer qu'on ne punit pas pour punir, on a jugé selon la loi. Ces 10 officiers de police ont regagné leurs familles respectives et retourneront à leur lieu de travail après 3 années de détention. L'actualité judiciaire, c'est aussi l'audition de l'ex-première dame, Simone Gbagbo, dans sa résidence d'Odienné en présence de son avocat. Simone Gbagbo, à huis clos, était face à une équipe du tribunal d'Abidjan composée du procureur de la République, du doyen des juges d'instruction et de greffiers. Et cette réunion interministérielle qui s'est déroulée au ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, 3 sujets en ligne de mire. D'abord la fluidité routière, ensuite les accidents sur l'autoroute du Nord, enfin la purge des droits coutumiers. Le gouvernement a résolu à résorber les questions relatives à la problématique de la fluidité routière dans le district d'Abidjan, à la récurrence des accidents sur l'autoroute du Nord et la purge des droits coutumiers. La circulation dans le district d'Abidjan est en effet rendue difficile par de nombreux embouteillages dont les conséquences aussi bien économiques que financières grèvent les charges de l'État, des ménages et des entreprises sans oublier son impact écologique et sanitaire. Ces sujets étant au centre de la réunion du comité interministériel présidé par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Et le gouvernement a demandé qu'un groupe de travail puisse réfléchir sur un plan de circulation qui permette de meilleure fluidité. Donc un groupe de travail va dans 2 semaines nous proposer un plan de circulation et nous pensons que s'il est acté par le gouvernement, il pourrait être mis en œuvre au 1er mars. Ensuite, nous avons traité de la question des accidents de la circulation. Tout le monde est témoin que la route endeuille nos compatriotes au quotidien. Donc un groupe de travail également est mis en place pour proposer des mesures précises pour réduire ces fléaux. Donc très bientôt, nous aurons également un plan pour mieux sécuriser l'autoroute avec la mise en place d'une brigade autoroutière. Le foncier urbain est un vrai problème et il ne faut pas que cela soit un frein au développement, à la croissance du pays. Nous avons demandé à un groupe de voir comment traiter ce problème-là au regard de l'évolution du pays et des ambitions du pays. Ces 3 commissions bénéficient de 2 semaines pour produire un rapport d'étude et d'analyse à soumettre au gouvernement.
Le président de la commission électorale indépendante CEI, Youssouf Bakayoko, invite les acteurs politiques ivoiriens à adhérer davantage aux principes fondamentaux de la démocratie, assurant que son institution n'a qu'un combat à mener, celui d'organiser des élections libres, transparentes et crédibles, recevant les vœux du nouvel an des agents de l'institution. Aujourd'hui, aux deux plateaux, Youssouf Bakayoko a indiqué que l'année 2014 qui commence verra la consolidation de notre jeune démocratie. Le point avec Michel Dicret. 2013 a été l'année de la fin du cycle électoral de sortie de crise en Côte d'Ivoire, avec les élections municipales et régionales d'avril dernier. Après donc une décennie de crise, le pays dispose de toutes ses institutions issues des urnes, une fierté pour Youssouf Bakayoko, président de la commission électorale indépendante. De l'avis de tous les observateurs crédibles, la commission électorale indépendante a su faire prévaloir, lors de chacun de ses scrutins, la volonté des électeurs telle qu'elle s'était exprimée. La commission électorale indépendante n'a qu'un combat à mener, un combat plus vaste, un combat plus conforme aux vraies valeurs de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les valeurs démocratiques, capables de faire rayonner notre pays en Afrique et dans le monde. Elle s'y consacrera dans le respect des règles internationalement admises, c'est-à-dire qu'elle organisera des élections libres, transparentes et crédibles. Dans la perspective des élections de 2015, cette année ne sera pas de tout repos pour la CEI. Le début des travaux préparatoires pour les scrutins à venir, la formation du personnel, la reprise des contacts avec les bailleurs et autres partenaires techniques, etc. Comme on le voit, l'ensemble des agents de la commission électorale indépendante sera bel et bien au travail en 2014. On peut le dire, les agents de la CEI ont les pieds en 2014, mais la tête déjà dans les élections de 2015. Il constitue encore aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde, bien avant les guerres et autres catastrophes naturelles. Le cancer fait beaucoup moins parler de lui, mais il tue. Ce 4 février est célébrée la journée mondiale de lutte contre le cancer. L'OMS estime que la maladie aura fait 84 millions de morts entre 2005 et 2015 si aucune mesure n'est prise. Autre chiffre important, 40% des cancers peuvent être évités. Dans le reportage que je vous invite à suivre maintenant, le témoignage d'un malade du cancer. Attention, personne sensible, s'abstenir. Une bande en guise de pansement. La tête d'Adama prend du volume au fil des jours. Adama a plus de 20 ans. Il est atteint d'un cancer. Il s'agit d'un cancer de graisse et de muscles au niveau de la tête, appelé le liposarcome. Adama traîne la maladie depuis 10 mois. Il y a seulement un mois qu'il est interné au CHU de Trècheville. Vraiment, sur ma tête, ça me fait très mal. Bon, actuellement, c'est les bêtes qui sont dedans qui me font très mal. Aujourd'hui, Adama et sa famille n'arrivent plus à faire face au coût du traitement. J'ai dit, Dieu, si j'ai gagné une bombe ou bien il s'en va, grand, première dame, il dit, il n'a qu'à aider mon enfant. Adama n'est pas un sujet isolé. En Côte d'Ivoire, une famille sur neuf est confrontée à un cas de cancer, un mal qui ronge les patients en même temps que sa prise en charge au plan financier. Les médicaments restent chers, 200 à 300 000 francs par mois. À peine la moitié de nos malades arrivent au bout des traitements des types chimiothérapie, c'est-à-dire des médicaments anti-cancer. 15 000 à 20 000 cas de cancer sont déclarés chaque année en Côte d'Ivoire. Ce 4 février, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer, les épineuses questions de prévention, de guérison et de prise en charge seront encore au centre des préoccupations. Voilà, c'était un commentaire signé Delphine Blanc. Ils sont aussi nombreux à boquer les malades du cancer. Les autorités sanitaires de la ville sont à pied d'œuvre pour lutter contre la maladie. En Côte d'Ivoire, selon les statistiques, 15 000 nouveaux cas de cancer ont été dépistés en 2013. À Boaké, ce sont une centaine de cas enregistrés. Les cancers les plus répandus
sont ceux du foie avec 52% et du col de l'utérus avec 33%. La prise en charge de ces cancéreux est assurée par des spécialistes sur place à Boaké. Les enfants ne sont pas épargnés par cette redoutable maladie. Ils représentent 1% des admissions, soit environ 50 enfants atteints du cancer en 2013, hospitalisés au CHU de Boaké. Le premier cancer de l'enfant en Côte d'Ivoire, et particulièrement à Boaké, c'est le lymphome de Burkitt. Nous en avons jusqu'à 40 cas. Pour mener à bien la lutte contre le cancer, le CHU de Boaké aura besoin d'un plateau technique adéquat, notamment la radiologie. Le matériel pour faire la biopsie de ce cancer, pour aller faire l'examen anatomopathologique, n'existe pratiquement pas. Au niveau de l'exploration radiologique, il n'y a pas de scanner au CHU de Boaké. La prise en charge des différentes formes de cancer à Boaké doit pouvoir amener les populations à fréquenter les hôpitaux à temps afin d'éviter les complications. Des complications dont les coûts financiers sont très souvent énormes. Une autre cause importante de mortalité maternelle cette fois, l'avortement clandestin. Comment freiner ce problème? Des solutions sont proposées par l'Association ivoirienne pour le bien-être familial AIBF. L'organisation préconise en substance des soins d'urgence après le curetage. Marie-Laure Ngoura. En Côte d'Ivoire, l'avortement clandestin est interdit. La loi n'autorise l'avortement que lorsque la grossesse représente un danger pour la vie de la femme. Et pourtant, selon l'AIBF, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, elles sont nombreuses, les femmes, surtout les adolescentes, à recourir illégalement à l'avortement pour remédier aux grossesses non désirées. La plupart de ces avortements sont effectués à domicile, souvent par les femmes elles-mêmes, avec des plantes ou des coctions. Conséquences, graves séquelles pour la santé des femmes, lésions des organes génitaux, hémorragie ou la mort. Les chiffres sont alarmants. 3,6% de décès maternels liés à l'avortement. Nous nous appuyons sur le protocole de Maputo qui a été dans l'accord d'Ivoire partie prenante et qui stipule qu'il faut réduire, baisser la mortalité maternelle en agissant sur tous les facteurs qui favorisent cette mortalité, dont les avortements à risque. Et pour ce faire, dans des situations où, par exemple, une grossesse est survenue des suites d'un viol ou d'un inceste, c'est des cas qu'il faut voir. On peut déjà voir ça. Puis dans les autres pays qui nous entourent, ça a évolué. Un pays comme le Burkina a évolué sur ce plan-là. Pour éviter ces avortements répétés et réduire le taux de mortalité, l'AIBF invite les structures sanitaires à offrir des soins d'urgence après avortement, notamment prise en charge médicale, services de conseil, d'éducation et de planification familiale. Les festivités marquant la Journée internationale de la femme, prévue le 8 mars prochain, seront lancées après-demain. Information donnée par la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Oulotto. Cette journée, placée sous le thème « Les femmes au travail pour les objectifs du millénaire pour le développement OMD et l'émergence de la Côte d'Ivoire », a pour objectif, entre autres, de consolider la cohésion sociale à travers la mobilisation des femmes autour de la question de la réconciliation et la paix pour une Côte d'Ivoire émergente. Gabriel Zani. Le combat pour les droits des femmes est d'abord celui des femmes et non des hommes. Pour une implication de toutes les femmes pendant les festivités de la célébration de la Journée internationale de la femme le 8 mars prochain, Anne-Désirée Oulotto, le ministre de la Solidarité, a mis en place un nouveau comité d'organisation. Quelles que soient nos professions, quelles que soient nos origines, à penser que nous sommes capables d'apporter toujours quelque chose à la construction de notre nation. Je crois que c'est cela l'enjeu. Les festivités seront lancées le 6 février. Elles s'annoncent grandioses et innovantes avec des conférences, des expositions-ventes et surtout l'installation du Conseil national de la femme le jeudi 27 février. Le Conseil national de la femme a été institué par décret pris en Conseil des ministres depuis plusieurs années. Et le gouvernement, cette année, met un point d'honneur, n'est-ce pas, à faire en sorte que cet objectif devienne une réalité. C'est la ville de Grand Bassam qui a été choisie pour abriter les festivités en raison de son passé et de la marche historique des femmes sur la prison coloniale. Cette première journée que j'ai eue personnellement organisée dans le département de Touba a été donc l'occasion pour Madame la Première Dame de soutenir les femmes. Il en sera de même pour nos sœurs de Grand Bassam.
Chaque année, la journée de la femme donne l'opportunité de passer en revue les problématiques qui se posent aux femmes, violences sexuelles, mortalité maternelle, féminisation du VIH-SIDA. Pour cette édition, l'État a décidé de mettre l'accent sur le travail des femmes pour montrer leur implication dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement dans notre pays. Avant cette journée consacrée à la femme, voilà des filles et mères qui sont mécontentes. Les commerçantes du célèbre marché Gouro d'Adjamé réclament le respect du contrat qui les lie à un opérateur économique chargé de la modernisation des installations. Aux côtés de ces dames, bien sûr des hommes, eux aussi exerçant dans le marché Gouro, Crescando. Depuis quelques jours, plus rien ne va au marché Gouro. Ce lieu de commerce situé dans la commune d'Adjamé, très fréquenté par les populations, connaît des moments difficiles. Un litige oppose les commerçants à un opérateur économique. Au centre du conflit, le déguerpissement du site et la modernisation du marché. Selon les deux parties, les clauses du contrat n'ont pas été respectées. On lui a demandé un plan du marché, et puis on lui a demandé un permis de construire. Donc il n'a pas fourni tous ces documents-là. Et depuis 2010, on a demandé la résiliation du contrat. Avec même l'ancienne présidente, c'est elle qui a signé le papier et c'est elle qui a demandé de résilier le contrat. Donc depuis 2010, nous sommes devant la justice. Hassan Ismaël, le mis en cause, accepte de donner sa version des faits, mais hors caméra. En effet, selon lui, son entreprise aurait été sollicitée pour la modernisation du marché. Il aurait donc engagé des fonds en vue de l'indemnisation des commerçants. Sur 60 millions, 30 millions ont été déjà décaissés, mais aujourd'hui, les commerçants refusent de quitter les lieux. Approché sur cette situation qui se déroule dans sa commune, le maire Youssouf Sylla dit ne pas être concerné de près ni de loin par ce problème. Il procédera bientôt à une opération de déguerpissement après les résultats d'une enquête menée par l'Office national de la protection civile. Le MPC, qui est l'Office national de la protection civile, a fait un constat. Pendant la construction, la nouvelle construction du marché actuellement, que le bâtiment construit était sur une grande canalisation d'où partait beaucoup d'eau du quartier d'Adjamé vers Fraternité Matin. Et qu'il fallait enlever les bâtiments construits sur le caniveau. Et le ministère de l'Intérieur m'a adressé un premier courrier me demandant simplement d'enlever les magasins construits sur la canalisation. Le déguerpissement prévu pour se faire ce lundi a finalement été reporté à une date ultérieure. La raison, les concertations se poursuivent au niveau de la tutelle. Autre sujet, ces 3886 postes d'enseignants et personnels d'encadrement qui sont à pourvoir à l'école normale supérieure. Les inscriptions pour le concours d'entrée à l'ENS ont démarré ce mardi. On l'a appris aujourd'hui lors d'une conférence de presse au plateau, annonce faite par le ministère de l'Enseignement supérieur à travers la Direction générale de l'Enseignement supérieur, Ami Koulibaly. Les candidats au concours d'entrée directe à l'école normale supérieure ENS pourront dès aujourd'hui, mardi 4 février, procéder à leur inscription en ligne. C'est www.doresi.net et www.dores.edu.ci. Et les inscriptions en ligne vont se faire pendant un mois, à partir de ce mardi 4 février, et prendront fin le mercredi 5 mars 2014, au coût unique de 10 000 francs. Les dossiers physiques seront déposés à l'antenne de l'INPHB à Cocody-Danga, près de la Cité Rouge, du lundi 10 février au mardi 11 mars, de 8h à 16h. Et il n'y a plus l'achat des pochettes et seulement les candidats admissibles seront soumis à la visite médicale. 3886 postes en personnel enseignant et personnel d'encadrement pédagogique et administratif sont à pourvoir. Pour rappel, le concours d'entrée à l'école normale supérieure est organisé et supervisé par la DOREX, la Direction de l'orientation et des examens, selon le décret numéro 2011-396 du 16 novembre 2011.
Le collectif des syndicats des emplois du secteur éducation-formation salue l'État ivoirien pour le paiement des 25% restants des effets financiers du reclassement des enseignants. Par la voix de son porte-parole, Boko Michael, le collectif qui regroupe 6 organisations s'est exprimé. Les précisions de Serge Collet. Le collectif des syndicats des emplois du secteur éducation-formation se dit en phase avec l'État de Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien indique que ce collectif vient d'apporter une réponse positive à une des préoccupations majeures des enseignants de Côte d'Ivoire. Depuis la fin du mois de janvier 2014, les 25% restants des effets financiers du reclassement sont payés aux enseignants de Côte d'Ivoire. Cet acte est la résultante de la lutte des enseignants et des accords conclus entre les syndicats et l'État de Côte d'Ivoire depuis le mois de novembre 2009 et repris à son compte par le gouvernement actuel. Les effets financiers du reclassement sont totalement payés aux enseignants de Côte d'Ivoire face à toutes ces avancées. Les syndicats d'enseignants du secondaire général de Côte d'Ivoire, que sont le MERECI, le SILEG, l'UDENSI, le SINAPESI, le SIDES et la COGESI, remercie le président de la République pour avoir achevé le processus du paiement des effets financiers du reclassement des personnels enseignants de Côte d'Ivoire. Les responsables de ce collectif attendent la prise en compte d'autres préoccupations. Le collectif des syndicats des emplois du secteur éducation-formation a marqué sa volonté d'accompagner le gouvernement et le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Kandia Camara, dans la politique menée pour redonner au système éducatif ivoirien sa crédibilité et son efficacité. Les gestionnaires des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique étaient en formation hier à Yamoussoukro. Ils ont été formés sur l'utilisation des logiciels de la gestion du personnel. L'outil facilite la gestion des mouvements du personnel. La rencontre entamée hier prend fin vendredi. Honorine Anigori. Ce séminaire de formation des gestionnaires des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique porte sur l'utilisation des logiciels, gestion des personnels et codification des postes. Il se situe dans le cadre des activités du volet renforcement des capacités de l'administration publique du programme d'urgence pour la restauration des services sociaux et administratifs de base. Il s'agit de la maîtrise de la gestion des ressources humaines dans la mesure où nous avons cet ambitieux objectif d'arriver à maîtriser la masse salariale. Donc, bien connaître les ressources humaines et les gérer de façon efficiente y participe. Pour le représentant de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, ce séminaire permettra aux gestionnaires de l'école de disposer d'une part d'informations fiables et d'autre part d'assurer une fluidité dans la circulation des informations à l'école. Pour avoir une action incisive au niveau de nos résultats, nous avons besoin de ressources humaines de qualité. Et ces ressources humaines-là, lorsqu'elles sont disponibles, il faut assurer une bonne répartition. Ce programme d'un coût total d'environ 4 milliards de francs CFA est né de la volonté du gouvernement ivoirien et de la BAD, Banque africaine de développement, afin de rendre rapidement opérationnelle l'administration publique ivoirienne qui a subi des affres de la crise post-électorale en 2010. En bref et en images, les préparatifs de cette rencontre que la Côte d'Ivoire va abriter du 9 au 13 juin prochain, le premier forum économique régional sur l'accréditation et la compétitivité en Afrique, le FRAC. L'événement vient d'être lancé dans la capitale économique ivoirienne. Il va rassembler 600 professionnels de la certification et de la qualité issus des 40 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Objectif principal, promouvoir la compétitivité des produits d'exportation en Afrique à l'échelle internationale, ainsi que la revalorisation des marchés nationaux africains par le développement des infrastructures de qualité. Le FRAC est organisé par le ministère ivoirien de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, avec l'appui technique du patronat et du réseau international pour la planification et l'amélioration de la qualité et la sécurité en Afrique. Bruno Nabagné-Koné, le ministre de la Poste, des technologies de l'information et de la communication, a dévoilé les grands chantiers TIC pour le pays en 2014. L'État compte avancer dans le projet de gouvernance électronique. À cet effet, la troisième et dernière phase du projet de maillage du pays
en fibre optique sera lancée. Elle porte sur les 5000 km restants. Le reportage de Michel Mambo. Éclat de rire, accolade, ambiance bon enfant à la cantine de l'immeuble Postel 2000 au plateau. Opérateurs du secteur des technologies, de l'information et de la communication et personnel du ministère répondent à l'appel du ministre de tutelle. Il est question pour Bruno Nabagnekone de faire le bilan de l'année 2013. L'année 2013 a pour essentiel consacré la fin du chantier de mise en place du cadre législatif et réglementaire et l'implémentation d'une nouvelle gouvernance plus adaptée aux missions qui nous sont confiées. S'agissant de l'offre d'accès à Internet, nous pouvons noter la mise en service courant 2012 de deux nouveaux câbles sous-marins transatlantiques en fibre optique. Deux nouveaux câbles qui permettent à la Côte d'Ivoire de disposer désormais de l'une des plus grandes capacités en Afrique, je dis bien en Afrique, de l'accès par habitant au réseau mondial de l'Internet. Bilan satisfaisant. Toutefois, beaucoup reste encore à faire. Et pour l'année 2014, le ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication entend mettre les bouchées doubles. Après les nouveaux textes de loi, les nouveaux cahiers de charges des opérateurs de téléphonie, nous devrons faire en sorte que les Ivoiriens soient plus au fait de leurs devoirs, mais surtout des nouveaux droits que leur confèrent ces textes qui ont été pris en 2013. Le projet de restructuration et de réforme de la Poste figure également au nombre des priorités. Le redynamisme du tourisme ivoirien est en marche, illustration parfaite avec la participation du ministère ivoirien du tourisme et Côte d'Ivoire Tourisme à la 35e édition de la Foire internationale du tourisme de Madrid en Espagne. La destination Côte d'Ivoire a été vendue avec séduction. Envoyé spécial à Madrid, Patricia Omoetia. Durant 5 jours, plusieurs professionnels ont pris part à la 35e édition de la Foire internationale du tourisme à Madrid. Le salon Fitour constitue une opportunité pour les opérateurs ivoiriens de rencontrer des destinations émergentes et prometteuses. Salon qui se distingue par une participation internationale renforcée, regroupant entreprises et institutions de plus de 170 pays. C'est l'occasion pour connaître l'offre touristique mondiale dans son ensemble et partager des idées et expériences entre professionnels. La Côte d'Ivoire est représentée dans un stand de 400 mètres carrés. Il est question de présenter divers produits touristiques. Le grand effort est consacré à la promotion du chocolat de Côte d'Ivoire. Le stand a drainé du monde. Pays producteur de cacao, la destination Côte d'Ivoire s'ouvre au monde. Plus de 400 000 touristes depuis un an. Le but est d'atteindre, à l'horizon 2020, plus d'un million de touristes, indique Jean-Marie Sommet, directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme. La délégation officielle ivoirienne est conduite par Roger Kakou, ministre du Tourisme. À l'étranger, la France, avec le premier procès jamais organisé dans le pays d'un ressortissant rwandais, 20 ans après le génocide des Tutsis, Pascal Simbikangwa, ancien militaire de 54 ans, accusé de complicité présumée, a comparu ce mardi devant la cour d'assises de Paris. Le procès sera intégralement filmé, ce qui est rarissime. 20 ans, c'est long, c'est le temps qu'il aura fallu pour organiser le premier procès d'un présumé génocidaire rwandais en France. L'ouverture s'est tenue ce mardi à la cour d'appel de Paris. Il n'aurait pu avoir lieu sans l'action d'ONG comme le collectif des partis civils pour le Rwanda, qui participe depuis de nombreuses années à la traque des auteurs du génocide de 1994. J'espère surtout que ce procès sera le premier d'une très longue série, parce que nous avons déjà déposé environ 25 plaintes, que nous en préparons d'autres, et il ne faudrait pas quand même que ça prenne une trentaine d'années. L'accusé le voici en 2008 à Mayotte, alors qu'il vient d'être arrêté pour falsification d'identité. David Safari s'avère être le capitaine Pascal Simbikangwa, proche de l'ex-président rwandais Juvénal Habyarimana, et soupçonné d'avoir joué un rôle actif pendant la préparation et l'exécution du génocide. Le voilà aujourd'hui dans le box des accusés, après une longue instruction menée par le pôle crime contre l'humanité du parquet de Paris. Âgé de 54 ans, paraplégique suite à un accident de la route, il nie les faits qui lui sont reprochés et ses avocats commis d'office estiment qu'ils n'ont pas eu les moyens de le défendre.
La défense a déposé des conclusions de nullité parce qu'elle considère qu'il y a une inégalité des armes flagrante entre le parquet, la défense et les parties civiles. Les faits tels qu'énoncés par le président du tribunal, Olivier Laurent, portent principalement sur l'organisation de barrages pendant le génocide de 1994 et la distribution d'armes aux miliciens Inter Amoué. Ces faits reposent sur une trentaine de témoignages dont il reviendra au juré d'assises d'établir s'ils constituent ou non des preuves irréfutables de la culpabilité de Pascal Simbikangwa. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dès 21h sur nos antennes. L'émission RTI 1 reçoit ce soir à la barre le ministre Moussa Dosso. Moi, je vous dis excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. À très vite. Bonsoir.